vous me dites. Jusqu'à où ira le RPG et le clan Alpha Condé pour la destruction de la Guinée? Parce qu'ils sont en train de détruire la Guinée. Donc voilà. Sagata Monene, bonjour. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Ok. Partagez bien, mettez le cœur. On va faire, comme d'habitude, un live rapide pour rappeler les gens. On a dit maintenant comme un jour dans l'île, qu'on a dit un peu de diamagiri. Qu'on fait icon, qu'on fait un icon. Voilà, parce que vous savez, l'être humain a besoin toujours d'un rappel. Voilà. Là, aujourd'hui, je me pose la question, jusqu'où ira, comment ça, lui, ça va, Alpha Condé et son clan, et le RPG pour la destruction de la Guinée. Parce qu'ils ont fini de détruire le pays. Aujourd'hui, vous avez vu, sur tous les plans, la Guinée est derrière. La Guinée ne va pas. C'est-à-dire, tout le monde le sait que en Guinée, ça ne va pas. Mais jusqu'à présent, il y a des gens qui s'accrochent à continuer vraiment à détruire la Guinée. Parce que la Guinée ne peut plus avancer tellement qu'il y a un mensonge gigantesque qui est là, une manipulation gigantesque qui est là, un hold-up électoral qui n'a même pas de nom, qui est là. Donc, il y a des gens qui ont été assassinés, qui ont été tués à balles réelles, qui sont là, des manifestants qui ont été tués, et des gens qui ont été tués dans leur propre maison. Dans leur propre maison. Des gens qui ont été assassinés, des gens qui ont été violés, des femmes. Maintenant, Jusqu'à présent, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice. Et on a pris encore pour détruire, pour décapiter le parti vraiment qui est là, le parti de, du président élu légitimement, et là c'est le Dalain Diallo, pour décapiter son parti, le UFDG, pour ne plus que ça existe. Ils ont pris les en prison. Voilà. Et on dit que maintenant, il n'y a plus de récréation. C'est-à-dire, la récréation est terminée. Celui qui sort pour se manifester, on coupe sa queue. Maintenant, c'est gouverner autre. Voilà. Je pense que j'ai une mauvaise connexion là où je suis. Je pense que la connexion n'est pas bonne ici. Ouais. Donc, si vous m'entendez, faites-moi signe, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas les cœurs. Voilà. Je vais être bref. Je voudrais parler aujourd'hui surtout de l'équipe nationale basketball féminin guinéen, hein, qui devrait nous représenter. Ah là 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 là.